Première chose. Jambo la kwanza. Entendre. Kusikia. Reconnaître. Kutambua. Et partir par la foi. Kwenda kwa imani. Première chose. Jambo la kwanza. Alléluia. Amen. Pole pole. Kabisa. Kama hamuna ile kiu ya kupatana na Mungu mu maisha yenu, mulihomba. Si vous n'avez pas la soif de vivre avec Dieu, vous avez tout raté dans la vie. Mulihomba. Vous avez tout raté. Kuishi bila Mungu haina faida. Vivre sans Dieu n'a aucun intérêt. Première chose. Entendre. Kusikia. Reconnaître. Kutambua. Et partir. Na kwenda. Par la foi. Kwa imani. Lisons la Bible. Tout somme Biblia. Je vous ai promis que je serai très rapide aujourd'hui. Ni aidi a kuwa. Et vous allez voir vous-même. Na mtayona wenyewe. Genèse Hébreux 11 8. Wa Hebrania 11 8. D'accord. C'est par la foi qu'Abraham. Ni kwa imani Abraham. Lors de sa vocation, wakati wa kuitwa kwake. Obéi. Akati est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Na kwenda kwenye angali rizi, kwenye angali pokea urizi. Un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Pahali kwenye angali pokea kama urizi. Et qu'il y partit sans savoir où il allait. Akaenda bila kujua kwenye anaenda. Je vais vous dire une chose. Mumatabia za batoto ya Mungu. Parmi les caractéristiques des enfants de Dieu, hamukwake mubuyuwai. Il n'y a pas le d'être connaisseur. D'être connaisseur. À outrance. Ouais. Ukisha kwa muyuwai wa sana. Si tu es un grand connaisseur. Mwenye chenye banakuonyesha una kiswali. Tout ce qu'on te demande, on te montre. Na sali ko clair ungali tu na maswali. Même lorsque les choses sont claires, tu poses des questions. Même na kwenye banakusomea biko clair ungali na bishakia. Même lorsqu'on te lit la Bible, les choses sont claires, tu commences à douter, tu continues à douter. Même na kwenye bitu biko wazi unaanza sema sema. Ah, même là où les choses sont claires, tu poses beaucoup de questions. Hawezi kamilika mbio. Tu ne peux jamais être parfait. Never, never. Ndio hatuambiliwa sema tukwe tuna meza meza. Oui, on ne vous dit pas d'accepter chaque chose. Tutumikisha na sisi akili. Nous devons aussi utiliser notre intelligence. Na tuulize. Nous devons poser des questions. Na tusome. Nous devons aussi lire. Na tuchunguze. Nous devons examiner. Même programme ya kukamilika. Le programme de la perfection. Hamukwake mubuyuwai. Il n'y a pas de connaisseur. Buyuwai ni kitu kibaya sana. Le fait d'être connaisseur, c'est une mauvaise chose. Inaharibisha kama mimi na programme ya kukamala mbio. Ça détruit le programme d'être parfait ou de grandir dans la perfection. Muteule. L'élu. Akikuwa siri kama kitu kikwamo Mungu. Lorsqu'il sait que la chose Dieu est dedans. Na navumula kama ni cha kimaandiko. Et il reconnaît que c'est scripturaire. Bupishi bunaishia kapale. Les doutes ou les discussions. Dimushinde. Que ça puisse te dimushinde kwa uzaifu wake. Oui. Que tu sois faible devant ça. Mais si mushinde kwa sababu amebitia mubuyuwai. Mais que ça ne soit pas cause d'être connaisseur. Maintenant, ça sort. Dieu lui dit. Mungu kamwambia. Abraham. Abraham. Il dormait. Alikuwa nalala. C'était comme un songe, comme un rêve. Il n'a pas vu Dieu de face comme ça. Ilikuwa kama ndoto maana Mungu akumtokea. Il est avec ses parents. Alikuwa pamoja. Il est dans sa famille. Il est chez eux sur leur propre colline. Alikuwa kwao kwa kilima yao wenyewe. Une voix lui dit. Sauti kamwambia. Lève-toi. Simama. Avec ta femme. Na mke wako. Allez. Wende. Là où vous arriverez. Kwenye mtafika. Je vous montrerai là où vous allez vous installer. Nitawaonyesha kwenye mtatua. Je ne lui avais même pas dit la montagne où il allait se reposer. Dieu ne lui avait même pas dit le nom du pays où il allait aller. Na, Mungu akumwambiaka jina la nchi kwenye ataenda. C'est une question de foi. Ilikuwa ni jambo ya imani. Comme aujourd'hui, sawa leo. Nous croyons que nous monterons. Tunaamini ya kuwa tutapandaka. Mais comment nous monterons? Tutapandaka namna gani hatujui. Expliquez-moi. Facilia. Nous croyons que si nous mourons ya kuwa tukifa, et qu'on nous enterre, nous ressusciterons, nous sortirons de la tombe comment? Devenus poussière. Na tulishaka kuwa vumbi. C'est la foi. Ni imani.
croyons que Dieu par le Saint-Esprit peut habiter dans un homme. Mais montrez-moi ce Saint-Esprit par les yeux. C'est la foi. Nous croyons qu'il y aura un feu qui va brûler les païens. Mais on croit que c'est de l'intimidation. Mais nous croyons qu'il y aura un feu. Comment nous les croyons? Justifiez-les. C'est par la foi. Nous croyons que nous sommes au dernier âge de l'Église. Justifiez-les. C'est par la foi. Sasa ukisha kuwa ule mutu mwenyewe kila kitu na kuwaka na kijiuliza kwa mingi na unaanza kushakia meme na vinyi bengine balisha nasa utabakia. Tu vas rester. Amen, amen, amen. Le matin, asubuhi, Abraham s'est réveillé. Abraham kaamka. Il a dit à Sarah, akambia Sarah, chérie, mpenzi, nous partons. Tunaenda. Où? Wapi? Je ne sais pas. Sijui, oui. C'est tout qu'on a bâti. Nous avons la chance. Bien mingi tuko tunabiona na binaandikwa. Beaucoup de choses sont écrites. Yeye ni sauti tu alisikia kabla usiku. Mais lui avait juste entendu une voix la nuit. Nakashika na kaenda. Il avait juste saisi ça. Na pale watu hawaya kolaboraka na Mungu. Et là les gens n'avaient pas commencé à collaborer avec Dieu. A part les bizazi bya mbele bya baenoka bya banani mais yeye ni après baenoka. A part les âges de Enoch et les autres mais lui c'était après Enoch. Mapendwa. Mes frères. Sarai. Sarai, venez, kuja, emballez les choses. Funga vite. On part où, chérie? Mpenzi, tunaenda wapi? Là où Dieu va nous montrer. Kwenye Mungu atatuonyesha. Qui est Dieu? Na Mungu ni nani? C'est lui qui m'a parlé la nuit. Ni yeye aliyenisemesha. Il est où? Iko wapi? Je ne sais pas justifier. Sijue kukuambia iko wapi. Il m'a dit d'aller. Yeye aliniambia tu. Là où je vais arriver. Lui-même va me dire stop. Tant qu'il n'a pas dit stop. Nous partons. Twende. Il parle à son père. Sorry. Il parle à ses familiers même. Disons ses familiers. Il leur dit. Akawambia. Bon, bye bye. Kwaheri. Bye bye. Kwaheri. Unaenda api? Où est-ce que tu vas? Tu vas où? Non, on m'a dit de partir. Nimeambiwa kwamba niende. Il prend les choses. Akatoa mizigo. Il met sur la tête. Anaweka kichwani. Et Sarai. Na Sara wake. Femme obéissante. Mwanamke mtivu. Si c'était les femmes d'aujourd'hui. Angelikuwa mtindo wake wa leo. Certaines qui ne sont pas sauvées. Wale ambao hawakuokoka. Elle allait lui dire. Angemwambia. Libo mayo. Umerukwa na akili. Fou. Umechawika. Je reste avec mes enfants. Quand tu seras fatigué, tu retourneras ici. Utakapochoka utakuta hapa. Mobali ali boma yo. Mwanamke mwenda wazimu. Mwanaume fou. Aliyerukwa na akili. Amepanche. Umerukwa na akili. Eno mfu. Na kama mko mnasikia sema wanawake wawe watiivu sawa Sara. Et si aujourd'hui on vous dit que les femmes doivent être obéissantes comme Sara. Ni kitu cha nguvu. C'est quelque chose qui est difficile. Wana kutie mukope yenye hauyue. Que ton mari te mette dans une chose qui est une. Yeye ndio alisikia sauti. C'est l'homme qui a écouté la voix. Wewe haukuisikia. Tu n'as rien entendu. Hautashinda unamwambia sema nitangoya na mimi akuye kunijiambilia. Ne va même pas lui poser la question, je vais te suivre quand j'écouterai aussi. Kama alikwambia si t'a dit. Mimi haya nambia. Mwenda. Vazi. Kama Mungu ananipenda na mimi atakuwa kunivisitia. Si DMM aussi viendra m'informer. Est-ce que tu comprends moi? Amen. Nous sommes ensemble. Sarah dit. Sarah kasema. Comme tu as écouté. Hivi ulisikia. Je suis sûr de toi. Ninakuaminia. Njoma na mbunyumba mkikosa confiance. C'est pourquoi lorsque dans un foyer il n'y a pas de confiance. Hamwezi avancer. Vous ne pouvez même pas avancer. Huko vitu wenye unaitikia kama mwenzako. Il y a des choses que tu acceptes. Jutu ni bwana yako. Parce que c'est ton mari. Mais utakuwa na bisuspecte. Tu seras en train de le suspecter. Na ushamwambia hakuna problème. Parce que tu as déjà accepté. Ah oui oui. Amen. Tant qu'il y a une zambi, chérie, bon, avance. Lorsqu'il n'y a pas de péché, nous avançons. Mais s'il y a quelqu'un, il y a un péché, je vais te trahir chez les serviteurs. Sarah a pris les choses. Sarah katoa mizigo. Avec Abraham. Na Abraham wake. Loti le regarda. Loti naye kawaona. Oncle. Binamu. Boki wapi?
Vous allez où, oncle? Vous allez où? Nous partons. Oncle, où? Je ne sais pas. Je peux venir. Mais pas de soucis. L'autre yambala. Avec sa femme, avec ses bergers, avec ses brebis aussi. Bango mibale bake. Léa a été appelée. L'autre n'a pas été appelée. Loufouatano. Ah, le fait de suivre les gens. Le fait de suivre les choses. Parce que tu vois les autres le faire. Et tu ne vas même pas prier pour dire que Dieu te visite. Il te confirme que ce sont des choses réelles. Lorsque tu t'achoperas une seule journée, tu reviendras. Amen, amen. 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 C'est pourquoi jamais. Nous faisons grandir les enfants sans les inviter je à faire à papa. Ils se font baptiser à cause de papa. Si majaribi nakuya, les jours qu'il y aura des troubles, ils quitteront l'église de papa. Ils diront, je suis venu dans l'église de papa. Grand, je suis déjà grand. Je vais choisir mon église. Ah oui, oui. Anakua rasta. Maintenant, il devient un rasta. Comment le frère est-il devenu un rasta pendant que... Non, est-ce que dans l'Ekodim il avait cru? Comment le frère joue à l'Ekodim? Vous l'appelez frère parce qu'il a grandi dans l'Ekodim et maintenant il est devenu rasta. Est-ce qu'il avait cru? Il a suivi papa et maman à l'Ekodim. Il a grandi dans l'église de papa. Mais quand il a senti la bonne musique, il est parti. Il commence à mettre les dreads sur la tête. Oh, mtoto wa fulana nisha haribika. Ali haribika aliamini siku gani? L'enfant de tel n'est plus tenable. Quand est-ce qu'il a cru? C'était Lot qui a suivi Abraham. Hallelujah. Amen. La nouvelle naissance est individuelle. Bien sûr, il y a des beaux enfants qui suivent les parents et qui détecte les dieux des parents. Il voit comment il prie. Il voit comment il jeûne. Il voit comment Dieu guérit. Il voit les miracles. Et même suivre la prédication. Et il finit par dire, même si papa fouillait cette église, même si maman partait, je reste. Pourquoi? Ils ont eu leur propre appel. Walipata mwito wao wenyewe. Shalom. Shalom, man. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi même le mariage mixte n'est pas bon. Ndio maana zile ndoa za mchanganyiko haziko nzuri. Viens dans mon église, je vais te marier. Kuya mkanisa yangu nitakuoa. Est-ce que elle a été appelée? Sasa, uyu aliitwa. Ce garçon était appelé. Ule kijana aliitwa. Il est venu parce qu'il y a un mariage. Amekuya sababu kuko arusi. C'est un lot. Ni loti. Maintenant vous aurez un Abraham avec un lot dans le voyage. Utatambua nani ni Abraham, nani ni vous aurez maintenant un Abraham et un lot. Sasa utakuwa na Abraham na loti msafari. Je vais vous montrer là où le voyage a bloqué. Ils étaient obligés de se séparer. Ilibidi wa tengane. Acha mtu mwenye alikuyaka na natafuta Mungu lwake na wewe ukaamini unatafuta Mungu lwako muoane jusa bitabloquer kila mtu atakuwa na jireferer comment aliamini. Est-ce que les gens qui sont venus chacun cherchant Dieu s'il se marie? Parce que si des choses sont difficiles, ils seront en train de penser qu'ils sont venus chez Dieu, chacun dans son chemin. Ouais. Prenez quelqu'un. Toi, mtu. Prenez quelqu'un. Toi là, qui a cru de soi-même en cherchant Dieu. Aliye amini yeye mwenyewe kwa kutafuta Mungu. Les jours ça va bloquer. Wakati mambo itaharibika. Il va se référer sur comment il est venu. Ata jielekeza kikumbuka namna alivyokuja.
Qu'est-ce qu'il peut te dire? J'étais venu dans votre église parce qu'on devait se marier. Mais ces conditions ne t'habillez pas comme ça, ne te maquillez pas comme ça, ne mangez pas ça, ça, ça. Je n'ai pas grandi comme ça. Je rentre dans mon église. Tu vas faire quoi? Vous avez déjà deux enfants. Okosambwa. Utashanga. Amen. Musikwazike. Ne soyez pas chopé. Kama mko na waza ni mzaha. Si vous pensez que c'est de la blague. Mwende fanya enquête. Allez faire des enquêtes. Sur 10 foyers. Sur 10 foyers. Za mariage mixte. Des mariages mixtes. Zenye zina simama kazivuka kembili. Ceux qui peuvent se tenir debout ne peuvent pas dépasser deux. Tena fasi yote. Dans le monde entier. Partout. Mungali na bahati ya kujichagulia. Vous avez encore la grâce de faire votre propre choix. Mungali ba garso ya kujichagulia. Vous êtes des garçons, pouvez faire des choix. Mungali ba fille ba kujisemea oui et non. Vous êtes des filles, pouvez dire oui ou non. Musijishuke mushimu na mungali bazima na mneone occasion ya kukatala. Ne vous enfoncez pas dans la fosse pendant que vous avez encore cette grâce de dire oui ou non. Haiko haraka ya kwenda mubunyumba kisha unde ililia amu. Ne soyez pas pressé d'aller dans le foyer pendant qu'il y a des problèmes là-dedans. Oui, oui. N'allez pas dans des foyers pour aller y regretter plus tard. Alors que vous aviez toute la grâce de faire votre décision. Donc le premier élément, kwamba, jambo la kwanza, il est appelé aliitwa, de se séparer, na kujitenga, il y part, anaenda, il y quitte. Anatoka. Parce qu'il a reçu l'appel. Sababu alipata mwito. Et la preuve qu'il est appelé, na, hakikishwa kwamba il doit se séparer de tout le monde. Akajitenga na wengine wote. Il doit se séparer du monde dans lequel il était. Akajitenga na mahali kwenye alikuwa. Il doit se séparer de tout ce qui lui était cher. Akajitenga na vyote vilivyokuwa vya maana. Pour aller là où Dieu lui montrerait. Aende kwenye Mungu atamuonyesha. L'alliance de Dieu avec Abraham et sa postérité. 23 février 56. Mungu na Abraham na uzao wake. Paragraphe 21. Eh bien, Vema, remarquez juste un instant. Kwa muda kidogo. Maintenant, sasa, nous voyons dans l'élection que Dieu, tunaona kuwa katika kuchaguliwa na Mungu, quand il a appelé Abraham, alipomuita Abraham, et remarquez pour commencer, na muangalia alipoanza, quand Dieu appelle un homme, wakati Mungu anaita mtu, il exige une séparation totale d'avec le monde. Anamshurutisha kutengana kikamilifu na dunia. Sépare-toi, Abraham. Jitenge ewe Abraham. Aussitôt qu'il a reçu son appel. Papo hapo alipopata mwito. Et voici la Vema. Chose. Tazama jambo. Chaque chrétien ici présent qui est né de nouveau. Kila mkristo aliye hapa aliyezaliwa mara pili. Quand Dieu vous a appelé. Wakati Mungu alipokuita. Il a exigé une séparation totale. Shurutisha matengano kamili. S'il ne l'a pas fait. Ikiwa hakufanya hivyo. Vous avez eu un faux appel. Ni kwamba ulipata mwito wa uongo. Nzambe nzambe. Kuko vitu nasikia kunasikia kama ucheze. Yeah, the show comes here, it's comme si tu kama uruke. Ndio ndio. Kama danse kwanza. Ndio ndio ndio. Danse un peu. Aseme. On dit ceci. Kama Mungu aliita Abraham. Si tu as appelé Abraham. Akamwambia, il lui a dit, jitenge na byenye ukwamba. Sépare-toi de tout ce que tu as. Puna Mungu naye. Dieu aussi. Lorsqu'il appelle quelqu'un, il le sépare totalement des choses humaines. Si Dieu t'a appelé, tu as échoué de se séparer avec les choses humaines. Tu as reçu un faux appel. Amen, amen, amen. Amen. Nitajua je kama niliitwa. Comment saurais-je si j'ai été appelé? Na kwamba niliitwa na Mungu. Que c'est Dieu qui m'a appelé. Na kwamba nilipata mwito wa kweli. Et que j'ai reçu le vrai appel. Ni wakati nitaona vyenye nilizoea kuamo après kuitwa na Mungu sikuwa tena mwana. C'est lorsque je vois ce que je faisais, je me suis totalement séparé d'avec quand j'étais appelé par Dieu. Comment saurais-je? Nitajua je.
que j'ai reçu un bon appel, que je n'ai pas reçu un faux appel, c'est lorsque je trouverai, après que je fus appelé, il y a eu une séparation avec le monde, avec le monde, avec les choses que j'avais l'habitude de faire. Si la séparation n'est pas là, il n'y a pas d'appel. Amen. Oh, Nelisha Okoka. Oh, je suis déjà sauvé. Pourquoi tu continues à prendre l'alcool? Oh, je suis déjà devenu croyant. Et les habits que tu portes là, qui ne sont pas décents. Les habits non décents. Oh, je vais maintenant à l'église aussi. Mais pourquoi les numéros de téléphone sont embarrassés zingali, namungali munaonge ya nakutumia na maudio? Et pourquoi tu continues à communiquer avec les prostituées là? Et tu as leur numéro jusque là. Oh, je suis déjà sauvé aussi. Et le soir, tu es dans des boîtes de nuit. Et quand tu rentres à la maison, à l'odeur de la boisson est dans ta bouche. Et la femme, ton épouse, elle dit, il n'est pas sauvé. Et il a déjà pris de l'alcool. Oh, oh, Dieu m'a appelé aussi. Mais ne faut pas blaguer avec moi. Dieu aussi m'a appelé. Mais pourquoi pas qu'il choqueza kadogo ni mangumi? Et pourquoi lorsqu'on te trouble un peu, tu te bats avec les gens? Oh, je suis déjà devenu un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Si tu as de l'argent par fraude, directement tu vas là. Tu n'as pas été appelé. Tu es juste un membre de l'église. Mais tu n'as jamais été appelé. Amen. Amen. Lorsque tu seras appelé, il y aura séparation totale. Et les gens qui t'ont connu avant, ils diront, il n'est plus dans ces histoires. Oh, Dieu m'a aussi appelé. Ton épouse n'a même pas la paix. Amen. Avant même de croire, après et après avoir cru, la femme ne voit même pas de différence. Et quand elle écoute les autres femmes se vanter un peu, comment les frères sont bien, tu les regardes, tu leur dis, si vous saviez ce que je traverse, c'est là que tu dis que si elle savait ce que je traverse, et il est en train de dire, oh, j'ai déjà crié, haïko, mwana wa Abraham. Ce n'est pas un fils d'Abraham. Non, non. Amen. Amen. Sommes-nous ensemble? Les choses sont claires. Tunakwenda. Amen. Bon, ça va. Deux. Attends, qui fika kutura tunachia pale. Tuna biendele chasse. Nous arrivons même au troisième point, on peut s'arrêter par là. On n'a pas été obligé de tout finir. Ils ne sont pas obligés de tout finir. Quand le Saint-Esprit nous conduira, on s'arrête par là. Il faut déjà quoi, hein, tout à fait qu'on s'en apana.